On est mal aimé, maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon Mali, ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche, j'prends virage à droite, mais j'ramène le produit. Le produit, il gauche complètement. C'est quoi votre nom, prénom? Non, c'est Relax. Franchement, la commandance, moi. Pas un avion de chasse? Fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à ce que tu vas dire. Non, c'est un avion de chasse ou pas ça? Franchement? Franchement. 5 sur 10. Mais quoi? C'est la plus bonne là, de la ville, hein, ça? Non, tenue d'équitation, là actuellement je la vois avec la gueule à Patrick. Ouais, c'est pour ça, je pense que vous dites 5 sur 10, hein. Ouais, parce non, mais parce que je peux pas voir. Même avec la gueule à Patrick, c'est une 5 sur 10, donc imaginez sans la gueule à Patrick. Non, elle est autoritaire, par contre, quand moi elle marche, on dirait Wolfgang Star. C'est ça qui m'emmerde. Ah ouais, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Ça va, commandante? Ça va pour la cinquième fois, vous allez me poser la question à chaque fois que je rentre dans le véhicule? Je vais être sûr que vous allez bien. D'accord, merci beaucoup, je vais très bien, je me sens en sécurité. Parfait. Vous êtes bien à l'aise à l'arrière? Peut-être que je peux monter derrière avec vous? Non, non, c'est bon. Ok. Il a pas de bras, lui? Ah si, c'est bon. Non, tu m'as dit oui. Peut-être? Tu m'as dit oui, je respecte la hiérarchie. Moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi avec moi, il n'y a aucun problème? Ben, je suis avec vous comme avec les autres collègues. Non, mais les autres collègues, c'est pas des supérieurs. Ben, lui, c'est mon supérieur, donc je me comporte avec lui comme je me comporte avec vous. Ouais, sauf que tu l'as tasé. Ah, aussi, chef, je voudrais rapporter quelque chose. Sous les dairs. Il m'a dit qu'il enquêtait chez les Horns, hein. Capitaine. Ouais, tout à fait. Et regardez-le. Non, mais je parle sérieusement, là. Vous avez ma parole de sergent formateur actuellement qu'il est parti chez les vignerons avec moi, carrément. J'ai demandé, est-ce que vous êtes sûr que le capitaine vous autorise? Ah! Moi, méfiant, parce que c'est quand même un cadet, hein. Pas de forme. Hein? Pas d'enquête avec un cadet. Il est parti chez les Hans. Il s'est garé. Ouais, et c'est quoi qui est rigolo? Bah, je sais pas, il rigole. Non, parce que si vous voulez qu'on parle, étant donné que vous aimez bien aussi faire le 6-9 pour le coup et balancer quelque chose moi, qui a rien à voir à côté. Ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Il veut pas abandonner, les gars. Ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Il veut pas abandonner, les gars. Frère, elle a trop de mobilité de mort, hein. Frère, c'est trop. Je pense que je vais vraiment le faire, par contre. Bon, écoute, lui, ça va partir en spécial, allez, j'ai contre. Wow. Bon, écoute, spécial. Hop là, un dans le vent. Dégage. Ça y est, me chauffe, frère. Je suis là.
pas là la radio. Moi je suis encore en cause poursuite, enfin, toi vous pourquoi ça pète à côté de la du commissariat du concesse? Non. On arrive mais non. Une grosse explosion et j'entends au-dessus d'un mur comme ça. Voilà c'est trop par contre. Je suis trop fort pour ces fils de. Plus une malade de feinte à mon actif. Vous êtes où? Et pourquoi vous m'emmenez dans le camion là? Vous allez m'emmener à l'hôpital, c'est ça? Oui. Je te jure, c'est chacun pour son cul et t'as. What? Vous me contre le mur, je rigole pas là, je vais tirer là. Je rigole quoi pas là, vous mettez tous les calme-toi, mains calme-toi, c'est calme-toi, million. Calme-toi. Mais ma contre le mur, calme-toi, 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 calme-toi. Je l'ai raté. Calme-toi, tout le monde là-bas, tout le monde à droite. Arrête tes couilles. 6 millions là. Écoutez-moi bien. Le petit Frédéric, c'est mon petit. C'est mon patron. C'est lui qui donne, qui commande. Vous embêtez Frédéric, vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est moi 6 millions, d'accord. 6 millions Miranda. Vous faites attention à vous. Oui. Attention. Oui, oh non. Oh, recule. Désolé, oui. Désolé, ouais. Allez, vas-y, cours. Allez, vas-y, c'est bon. Enfuis-toi, on a compris. Attention. Ouais. Non, on fait le pute. Vous l'avez vraiment tassé. Oh, ils sont fous. Aïe. C'est quoi ton arme? Non. Un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits et de répondre à... Oh mon... Quoi? On se rend. C'est bon, Je me rends. Allez, bravo. Karim, on te laisse ramener l'autre individu. On le dépose, je vais retourner là-bas. On va devoir le donner. Madame 51, on arrive sur zone. Attends, je le libère. S'il vous plaît, vous êtes là. Qu'est-ce que ça? Hop. Au revoir, monsieur. Lève les mains. Vraiment, toutes mes excuses. Vous êtes menotté. Au revoir. Madame 13, Lincoln 13, je reviens sur les lieux. Tout un pot ou quoi? Eh, vous savez que Emilio est de retour, cabron. Allez, ok, Emilio, ok, ouais. Ok. C'est les mains qui tremblent. Il m'a fait niquer. Oh non. J'arrive pas à lever les mains, moi. 28 à Central, il y a un 4x4 armé avec des tourelles et munitions qui nous a tiré dessus. J'arrive de suite. Mm-hmm. Tous les jours, il part au boulot. Mm-hmm. Il rentre le soir. Mm-hmm. Je le vois, il rentre. Mm-hmm. Il vient me voir de temps en temps. Et là, ce soir-là, il n'est pas passé. Donc, mm-hmm. Je me suis inquiété. Uh-huh. Et j'ai demandé à la police s'ils avaient mm-hmm. vu un certain Mouloud. Soulax. Mm-hmm. Et. Continue. Et... Mm-hmm. Et en fait, bah, on m'a dit qu'il était là. Quoi? Je à le voir. Ah, je croyais qu'il continuait à moi, pardon. J'ai demandé à le voir en cellule. Il dit quoi? Il m'a dit Soulax, continue. Et là, c'est là où j'ai appris qu'il avait braqué ou je sais pas. D'ailleurs, j'en reviens toujours pas, quoi. Donc, moi, je vais vous expliquer. Ça mm-hmm. va être plutôt rapide. C'était vraiment pour poser quelques questions. Il y a une enquête qui est ouverte. Ouais. Vous serez amené certainement à être reconvoqué. Une enquête sur quoi? Sur un petit problème entre Mouloud et une personne qui malheureusement est encore suspect. Et je vous le cache pas que vous faites partie des suspects. Suspect vous êtes pas en état d'arrestation pour le moment. Suspect de quoi? Suspect simplement pour un petit problème qui s'est passé en cellule. Mais l'enquête dira quel est le problème et qui s'est... Il travaille pour moi, vous allez voir. Ouais. Comment ça, il travaille c'est pour sûr. Quoi c'est vas-y, ça, ouais, vas-y, Frédéric. Vas-y. Ouais, allez. Vas-y, va faire quoi. Allez, va dire à Emilio qui. Tu sais hey, quoi, tu quoi, dis à Emilio qu'il est expert enculé, c'est bon ou pas? Hein? Tu lui dis. Écoute-moi bien, Frédéric. Tu lui dis Soulax, il va le baiser, c'est bon? Tu veux que je te crois, vu qu'il bosse pour toi, du coup. Tu vas dire à Emilio de venir avec un hélicoptère d'attaque et de venir devant notre patron. Devant, si bien, je te crois. S'il vient, on te croit. Ouais, je veux lui. Ouais, bah. Hein ouais, bah. Il est en intervention déjà, il a des problèmes. Ah, bah oui, bah, comme d'habitude. Allez, casse-toi, Frédéric, avant que tu démarres. Allez, dépêche-toi.
1. Pourquoi tu fais démarrer un cas de 10? Dépêche-toi. 2 et demi. Ok. Mais c'est pas possible, toi. Quoi? Il te manque quoi comme casse dans le cerveau? Non, sérieux, il faut vraiment que j'ai ma tenue d'intervention, capitaine. Vas-y, montre. Tu l'auras pas. Bah, c'est une tenue un peu spéciale. Quoi, cette merde? Oh, mais, mais en plus, c'est à toi qu'ils ont pris ça, non? Comment ça, c'est à moi? Elle vient devant mon conseil, ça fait hala? Attends, bouge pas, tu vois. Ah, mais tu vois, le gamin, c'est à l'autre là. Comment il s'appelle? Aïe! Attends, je ressors. Yo, what's up? Je lui fais un boussa sur le front à ta mère. Écoute-moi, moi, ta mère, je lui fais pas un boussa à ta mère. Je lui fais un câlin et je lui apporte des friandises à ta voilà, mère. Voilà, bah, tu as vu, j'ai du respect pour ta mère comme voilà, tu as du respect moi, pour ma mère. Voilà, moi, j'ai du respect pour ta mère, mais pas la grosse pute de la mère à Mike. Voilà, et ta grand-mère, grosse... ta grand-mère, Mike, on en parle de ta grand-mère quand elle vient, elle me montre la bite, elle met les dents. On en parle ou pas? C'est bon, j'ai fort, vas-y, David. Il m'a dégoûté en... Allez, pousse-toi. Adam 87, 10... Bien tout secteur. Oh, petit cœur, c'est nouveau ce soir. 10-4. C'est un peu... Non, c'est... oui, c'est un peu mignon. Bizarre quoi, j'ai un peu. Vous avez montré toute la ville, vous m'avez dit quoi? Attendez, je vous montre toute la ville, je vous montre même les quartiers chauds, même le cargo, et vous me dites quoi? À ce qui paraît, j'ai essayé de vous toucher, mais vous prenez pour qui à dire ça? Il est en train de la menacer. Mais non. Il est en train de lui faire la pression psychologique, capitaine. Vaut mieux qu'il sorte de la pièce. Non. Faites-le sortir de la pièce, s'il vous plaît, tant qu'elle parle. Faites-le sortir de la pièce, elle osera pas parler devant lui. Fermez là tous les deux. Ou pour la laisser finir. J'en ai pas parlé au capitaine, j'ai pas dit attouchement, j'en ai parlé à Soulax parce que bah, c'est un collègue et que c'est pas la même chose que d'en parler au capitaine. Mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai dit à Soulax. Sauf que si j'écoute ce que a dit Soulax, on parle d'une main dans la cuisse et que t'as essayé, que Mike a essayé de t'embrasser. Donc, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est complètement traumatisée, faites-le sortir de la pièce, elle aura plus de facilité à parler. Vous savez quoi, faisons ça, capitaine, faisons ça. Sortez parce tous les deux, elle va rester. Vous restez dans le bureau. Tous les shérifs du BCSO, j'ai jamais vu ça de ma vie. Partout les salles, j'ai jamais vu ça de ma vie. T'es un violeur. Eh, vous savez ce qu'il a fait? Stop. C'est bon. Get up. Eh, j'ai juste voulu faire ça. Là, je fais. Ah, vous voulez? Pourquoi t'es un fils de pute comme ça? Ah, mais c'est elle. Oh, les gens ils sont passés, voilà, frère. Ils ont... les gens ils sont passés, ils ont pas compris ce qui se passait, ça. Ah non, mais il s'est rien passé là. Va voir les tickets là, Loli. What's up? Oh, mais combien là? On fait. Loli, dis qu'il y a des modeurs, Je veux dire qu'il y a des modeurs et qu'on l'a attrapé. Ça me fait passer un truc, ça. Moi aussi. Devant le. Quand tu lui as parlé comme ça, Loli, il a lâché les C4, il a dit un mot. Loli, quand tu lui as parlé à Frédéric. Oh, des copains, on fait 4 contre 3. Je me téléporte à l'aéroport, 4 contre 3. Ouais, armé. Et nous, on 3 pas trop. À la chicha sous ballon. Tu te parles de ta démo. Tu racontes que des.